On n'est pas content, figurez-vous, parce que Kenan, il s'est limite défiguré le visage. Voilà, on l'a récupéré et je le regarde. Tout son front et son nez, griffure, et il est croûté. Parce qu'en fait, il s'est énervé. Alors la maîtresse lui a dit de ne pas monter à l'envers sur le toboggan. Et c'est ce qu'il aime faire, Kenan, en général. Donc elle a raison. Parce qu'après, il tombe, il se blesse. Et en fait, ça l'a énervé. Donc il s'est énervé, il a fait une crise et il s'est griffé. Et ça, ça me contrarie. Parce que voilà, voir mon fils... Voir mon fils comme ça, et en plus de sa faute, comment on va lui faire comprendre qu'il fasse plus ça, tu vois? Mais quand il s'énerve la prochaine fois, il faudra lui dire non. Mais c'est tout ce qu'il fait. Ouais, parce que la nourrice lui a dit pourquoi tu as fait ça et tout, machin, il faut plus le faire. Mais à 2 ans, quoi, 2 ans des crises comme ça. Tout qu'il est un petit peu dans la phase où il teste, où il dit non, ou machin, depuis un petit moment, quoi, depuis qu'il a 2 ans, à vrai dire. Donc jusqu'ici, bon. Mais là, franchement, au point de s'énerver, de se griffer, Non, ça ne va pas, il faut qu'on le fasse comprendre qu'il ne le fasse plus, parce que c'est lui, mais c'est le pauvre mesquin, il se fait des griffures, des marques, et non, quoi. Mais bon, à mon avis, c'est que le début des bêtises, comme on dit petit bébé, petite bêtise, grand bébé, grande bêtise, donc je ne sais pas ce que ça annonce pour la suite, mais... Ouais, mais ouais, c'est contrariant, quoi, c'est... Ça m'énerve que...